Bonsoir. Salut, tout élève NS2 Mio. Cours ça, son cours spécial, m'bote pour nous. En fait, c'est première leçon dans cours créole NS2 qui va bailler définition langue. Est-ce qu'on science qui étudie langue? Comment science ça relève? Comment est spécialiste science ça? Est-ce qu'il y a une science qui étudie créole? Et comment science ça relève? Comment est spécialiste science ça? Et qui différence qui gagne entre créolophone et créoliste? Comment toute langue faite? Nous voilà tout système langue. Nous avons défini phonétique, phonologie, sémantique, morphologie, lexicologie, et syntaxe. On ensemble éléments qui formaient ou bien qui constituaient non your langue. Donc, bon, c'est pile l'élément ça on va voir dans la vidéo ça. À tout à l'heure. At Mr. Fassel. Qui ça yon langue? Langue, c'est un produit social qui assure communication en dan yon société. C'est tout yon ensemble convention nécessaire moun yo adopté dans yon communauté pour permettre chaque membre communauté à exercer faculté langage yo. C'est à li nou servi pour faire connaître sa pensée. Ça c'est définition Pierre Hanel, professeur créole qui écrit livre Chez mes connaissances. Est-ce que gen yon science qui étudie langue? Ki jan science sa rele? Ki jan est spécialiste science sa rele? Réponse claire. Oui, gen science, gen science qui étudie langue. Science sa rele linguistique et spécialiste science sa rele linguiste. Ça veut dire science qui étudie toute langue rele linguistique et spécialiste linguistique rele linguiste. Est-ce qu'il y a une science qui étudie créole? Qui genre science ça relé? Qui genre spécialiste science ça relé? C'est logique. Il y a une science qui étudie créole. C'est l'histoire d'une combinaison entre linguistique et créole. Science ça relé créolistique et spécialiste science ça relé créoliste. Donc, kounya n'a pas fait différence entre créoliste et créolophone. Créoliste, c'est spécialiste langue créole. Tandis que créolophone, c'est tout le monde qui parle créole. À partir de là, nous ne pouvons pas faire confusion entre deux mots. Kounya, langue, c'est un système qui est formé avec un bon autre système qui est système phonologique, système grammatical, système lexical. Système, ça marche une avec l'autre. D'après nous, système. Ça veut dire, une dépend de l'autre. Donc, nous voyons que, à qui ça toute langue composée? Comment toute langue faite? Réponse ça pour faire nous connaître que créole sont langues. Puisque, composée, même genre avec toute langue. On a regardé. Toute langue composée avec un système son, un système grammatical, avec un système lexical. Donc, système son, on va regarder, ça prend le système son. Il y a d'abord phonologie, qui est une branche dans la science langue qui occupe des relations entre son yo, par rapport à l'autre, selon la valeur. C'est son qui est indispensable dans la langue nan, pour permettre de faire différence en deux mots. Exemple, il y a un mot pelle, belle, celle, quelle. C'est un paquet de mots différents, mais c'est un seul son qui vient faire un autre mot. Dans son et pelle avec belle, c'est son b avec p qui fait un autre mot. Donc si on prend un groupe de mots, tant que poupée, souper, couper, c'est un paquet de mots différents, mais c'est un seul son qui fait moi venir changer. Donc ça se tient en deux phonologies. Deuxième branche qui étudie son dans la science langue, c'est phonétique. Phonétique, li occupe de natif son yo ak façon yo prononcer. Là, faut essayer pas faire essayer confusion entre deux sa yo. Phonétique et phonologie, tous les deux étudier son. Mais phonétique lui-même li étudier ou bien li occupe de natif son yo ak façon yo prononcer. Alors que phonologie, li occupe de relation entre son yo par rapport à l'autre selon valeur. Maintenant, système grammatical, deuxième système qui gagne en langue.
Système grammatical la formé à plusieurs autres systèmes, tant que morphologie et syntaxe. Morphologie, c'est ensemble marque nous rencontrer dans l'anglais. Ça veut dire déterminant yo, préposition yo, conjonction yo, désinence, préfixe, suffixe, etc. Donc, nous avons morphologie, c'est morphos, donc qui veut dire forme. Donc, il étudie forme mot. Après ça, puis devant. On a contacté une définition. Syntaxe. Syntaxe, lui-même, il étudie règles combinatoires. L'ordre mot en phrase. Donc, c'est syntaxe, c'est des combinaisons mot. L'ordre mot, place mot dans la phrase là. Ok. Ensuite, système lexical. Donc, dans le lexical, nous allons voir son adjectif dérivé de lexique. Donc, système lexical là, c'est ensemble mot plein yo qui forment vocabulaire yon langue avec sens yo et puis référence yo désigné, c'est-à-dire moun yo, bien objet, concret, etc. Lexique là, c'est parti dans l'anglais qui pi ouvert dans qui était possibilité pour mon nouveau rentrer et pour créer l'autre mot. Science qui étudie lexique, c'est lexicologie. Ensuite, dans le système lexical, on va voir sémantique. Sémantique, c'est partie de la science langue qui occupe le sens. L'étudier sens mot, sens phrase, avec sens expression. Donc, pas oublier, chaque système yo agit une sur l'autre, ça veut dire une dépend de l'autre. Donc, c'est la fin. Ok, mais j'espère que vous comprenez du coup ça. N'a pas dans l'autre leçon. Ça veut dire relation, dans tout système. Ciao, ciao.